Bonjour et bienvenue dans ce nouveau let's play dédié à la version 1.0 de Factorio qui vient enfin de sortir, la sortie officielle du jeu. Et donc pour ce faire, on va se lancer dans un petit let's play didactique où on va essayer d'expliquer un peu voilà, comment bien commencer, comment avoir un bon départ, poser un peu les bases du jeu, expliquer un peu aux gens comment ça marche. Et ça devrait être assez fun et on verra après si ça intéresse du monde, on continuera pour aller plus loin. Voilà, donc là, hop, on va commencer un jeu de base. On va laisser tous les paramètres par défaut. On ne va pas du tout y toucher. On va regarder un peu la tête de la map, histoire de se faire un truc qui soit un peu sympa. Peut-être plus sympa. Surtout si vous commencez, ça peut être très sympa de jouer avec pas mal d'arbres pour essayer de limiter un peu la pollution au début. Et idéalement, on aimerait bien une zone où il y a un peu une zone où on peut s'étendre de façon assez droite pour après, si on veut construire une plus grosse base, ça peut être sympa de ne pas avoir de l'eau partout. Donc voilà, là, celle-là, elle a l'air pas mal. Donc on va se lancer là-dedans. Hop. Directement. Et donc voilà, pour ceux qui ont joué avant, vous connaissez un peu le principe, mais là, il y a une belle cinématique qui nous remet un peu dans l'ambiance. Voilà, on vient de s'écraser sur une planète, on est seul, on est perdu, on est tous, on se débrouille. Et bah, le but, ça va être de survivre, de pas se faire bouffer par la population locale. Et de réussir à envoyer des fusées dans l'espace pour pouvoir, j'imagine, prévenir nos ennemis qu'on est là et qu'ils viennent nous chercher. Et après, si on est beaucoup plus énervé, on peut aller beaucoup plus loin, faire des très 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 grosses bases qui produisent énormément de ressources et enfin, surtout de science à la fin. Mais bon, on verra un peu si on va jusqu'où on va aller dans cette série. Tout d'abord, on va fouiller un peu les épaves pour aller ramasser un peu deux trois choses. Donc d'abord, premier petit tips, voilà. Contrôle et clic sur un bâtiment, ça vous permet de récupérer immédiatement tout ce qu'il y a dedans. Hop, comme ça voilà, on a déjà fait le tour. Alors je sais pas exactement, on va dire que c'est à peu près ce qu'on peut récupérer. 8 plaques de fer, c'est déjà un petit début. Je crois qu'on peut démonter les morceaux du vaisseau, mais ça voilà, ça nous rapporte rien du tout, donc c'est pas très intéressant. Donc après, c'est clic droit pour creuser, démonter ou ramasser quelque chose. Par exemple, vous voyez un petit arbre, hop, lui, clic droit, on va le miner, ça va nous dire qu'on a récupéré du bois. Et maintenant, il va falloir nous récupérer les ressources de base pour pouvoir se débrouiller un peu. Donc, on peut voir sur la carte, hop, si on peut, on peut même mettre le map carte pour bien voir. On a un petit champ de fer ici qui est dispo, un plus petit champ de cuivre, du charbon et de la pierre. C'est les ressources qui vont servir de base. Et on va aussi avoir besoin d'eau très vite pour faire de l'électricité. Normalement, avec tout ça, on a de quoi commencer à se faire un petit départ tranquillou. Alors hop, on va commencer par miner des gros rochers, vous voyez à droite qui nous donnent à la fois de la pierre et du charbon, c'est très rentable. Hop, et on va tout de suite commencer hop, par poser un mineur qui va produire du fer. On peut déjà, donc première chose, le mineur, dès qu'on va lui donner un peu de charbon, hop, on contrôle clic droit pour mettre la moitié seulement de la ressource. Si jamais on voit que le mineur, il a une petite flèche là, qui va dire où est-ce qu'il va déposer les choses. Donc là, on peut soit mettre un coffre si on veut stocker le minerai. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas besoin de le stocker. En fait, le minerai, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des plaques de fer. Donc on peut directement mettre un four derrière, avec, hop, un peu de charbon aussi dedans. Et là, on va voir que le mineur remplit automatiquement le four, et le four transforme automatiquement en plaque de fer. Et comme ça va tourner à peu près à la bonne vitesse, donc on va être bien. Hop, on va me remettre ce morceau-là. Et ça va commencer comme ça, tant qu'il y aura du charbon dedans, à produire du fer. Pendant ce temps-là, nous, on va regarder un petit peu. Donc on peut voir, nous, dans un premier temps, on va avoir besoin de beaucoup de mineurs. Donc c'est ces choses-là, des mineurs thermiques. Hop, donc on va relancer un parce qu'on a un peu de fer, justement. Et on va avoir aussi besoin de beaucoup de pierres pour faire beaucoup de fours, qui vont servir à fondre différents métaux. On voit que le même raccourci de contrôle-clic pour récupérer la production s'applique. Hop, ça nous permet comme ça de faire très vite les choses. Et là maintenant qu'on a deux mineurs, ce qu'il va nous falloir en fait, ce qui va très vite limiter au début, ça va être le charbon. Donc pour ça, on va utiliser des foreuses pour miner du charbon. Par contre, ce qu'on a dit avant, si vous vous rappelez, si on met une foreuse ici et qu'on lui donne un peu de charbon, hop, elle va produire au niveau de la flèche. Or, c'est une foreuse qui a besoin de charbon pour produire du charbon. Donc, si jamais on les met en couple deux par deux, elles vont chacune s'injecter du charbon. Et on va comme ça pouvoir récupérer assez facilement le surplus qui va s'accumuler. Parce qu'à chaque fois que son réservoir à carburant est vide, elle va prendre un charbon de la réserve.
mais elle va aussi l'accumuler parce qu'elle va miner beaucoup plus vite qu'elle ne consomme du charbon. Donc comme ça, on va pouvoir très vite récupérer du charbon. Il ne faut pas trop prendre. Des fois, on peut arriver d'avoir un petit moment vide, mais c'est pas grave. Par exemple, si vous voyez, hop, elle n'avait pas de charbon, là, elle vient de le récupérer, on est bon. Et donc comme ça, on va se faire un petit jeu de production de charbon. Et ça devrait nous permettre d'alimenter notre production de fer, qui, elle, va devoir aussi très vite grandir, parce qu'à un moment, on va pas en avoir assez. Et on va avoir besoin de beaucoup de fer au début, déjà pour produire d'autres mineurs, et après pouvoir produire la base de la production électrique, la base de la science, tout ça, tout ça. On va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fer. Un petit peu de cuivre par-ci par-là, mais surtout du fer. Hop, maintenant qu'on a un autre, on va le passer directement. On va pouvoir. Alors hop, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on peut mettre le charbon directement en barre de raccourci, comme ça, hop, j'appuie sur 1, j'ai mon charbon. Et avec contrôle clic droit, je peux déposer à chaque fois la moitié de mon petit tas de charbon que j'ai. Donc, par défaut, un tas c'est 50. Quand on dépose la moitié, c'est 25. Et voilà. On peut récupérer très vite notre fer. Donc on voit ici qu'on a 20 de fer disponible. On peut lancer tout de suite les 12 fours. Pareil, maj et clic gauche, ça va lancer toute la production. Si jamais on fait, je crois que c'est maj et clic droit, on fait que 5. Ou c'est. Donc shift et clic gauche, ça lance toute la production. Et maj et clic droit, ça va produire que 5 par 5. Mais bon, pour l'instant, nous, on est bon, on va y aller à fond, on va produire comme des petits fous. Maintenant qu'on va produire deux foreuses de plus, on va pouvoir augmenter notre production de charbon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, soit on peut mettre les foreuses deux par deux comme ça tête bêche, mais on peut aussi faire une espèce de grand cercle qui font qu'elles vont toutes se remplir les unes les autres, ce qui va donner un système beaucoup plus robuste. Et donc on va continuer comme ça à les enchaîner. Donc on voit bien ici, R permet de faire tourner un bâtiment. Et on voit que chaque flèche va remplir une autre foreuse, et comme ça, elles se remplissent toutes les unes les autres. Et l'idée, bah, ça va être au début comme ça, d'accumuler du charbon. Hop, on voit ici qu'on a un mineur qui est un peu à court de charbon. On va remettre un peu à tout le monde pour la forme, et on va prendre du fer. On va reproduire deux mineurs de plus. Hop, et on va commencer à être à court de pierre. Donc on va commencer à reminer. Donc voilà, on va commencer tranquillement à accumuler des ressources. Et surtout, la chose à. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je joue. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais moi, je vous conseille. Je vous le conseille plutôt. On va surtout commencer par avoir beaucoup, beaucoup de production uniquement avec des foreuses thermiques comme cela. Hop. On va rajouter deux autres. Et on va faire tourner celle-là pour qu'elles soient toutes toujours les unes après les autres. Un petit coup de contrôle, clic gauche. On peut même faire glisser pour tout récupérer d'un coup. Et ça va continuer à s'accumuler, donc on voit qu'on a 54 de charbon, ça se remplit sans se remplir. Au début, on va commencer à accumuler pas mal de foreuses. Certaines personnes partent très vite sur il faut faire des tapis roulants, il faut faire des trucs qui se s'auto-entretiennent et tout ça. C'est pas faux, mais le problème c'est qu'au début c'est très long, parce que ne serait-ce que faire une petite distance de tapis pour aller de là à de là, ça coûte beaucoup beaucoup de métal, et au début, bah, le métal on n'en a pas tant que ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de foreuses. Donc moi je conseille d'abord de faire hop, pas mal de production un peu manuelle, le temps de vraiment lancer tout ça. Et après seulement on va commencer à automatiser et à mettre des tapis roulants pour convoyer tout le monde à son endroit final, on va dire, hein. Hop. Donc là au début on va partir sur, je pense, une petite quinzaine de fours à charbon, 2-3 foreuses de cuivre. 2-3 foreuses plus fours de cuivre et ouais, par une bonne quinzaine de foreuses à charbon, et ça devrait nous permettre de déjà bien commencer et de pouvoir commencer sur une petite base après pour automatiser le début avec une bonne production de métal, de pierre et de cuivre qui devrait nous permettre de nous sortir assez bien de notre début précaire, hein. Hop, on va continuer. Alors oui, pareil. On peut directement, quand on a la souris sur un bâtiment, faire A pour automatiquement en poser un autre. Et encore une fois, R pour faire tourner et Shift R pour tourner dans l'autre sens. Donc là, R tout court, Shift R. Hop, pareil, contrôle clic gauche, on va ramasser tout ce qu'on peut. On est déjà à 135 de charbon, donc là ça commence tranquillou à arriver. Il nous manque toujours beaucoup de fer, donc on va en récupérer. On va relancer pas mal de production de foreuses. C'est ça qui nous bloque. On va commencer à miner un peu de pierre et on va aussi récupérer un peu de bois tant qu'on peut. Parce qu'on va en avoir besoin pour faire des coffres, puis après pour faire des poteaux électriques. Petite remarque
J'en ai vaguement parlé au début pour ceux qui ne connaissent pas du tout le principe. Il va y avoir des formes de vie extraterrestres, comment dire, assez agacées par notre présence. Et on peut déjà les voir sur la carte en rouge. En fait, les réglages par défaut nous font commencer avec des ennemis assez proches. Donc, il va falloir faire très vite attention. Globalement, ils vont commencer à nous attaquer quand on va commencer à les gêner. Donc, pour ce faire, on peut voir qu'on peut activer un onglet, enfin, un aperçu pollution, qui va vraiment nous montrer où en est notre pollution. Et c'est quand notre pollution va arriver auprès de ses habitants, on va dire, de ces créatures, que elles vont commencer à nous attaquer. Donc là, on se rend compte que déjà notre pollution est pas très loin. Donc on va commencer vite fait à se faire quelques manières. On peut voir ici la base de loin. On va pouvoir commencer à se faire quelques munitions au cas où ils arrivent vite. Et on va essayer de commencer très rapidement à miner un peu de pierre. La pierre, par contre, on va la mettre dans un coffre en bois. Hop, parce qu'on n'a pas besoin. Hop, ce que je vais faire. On n'a pas besoin de 50 non plus, on n'a que 25. Hop, ça commence à nous récolter un peu de pierre tranquillement. Et on va pouvoir tranquillement, on va lancer un ou deux productions de cuivre. Bon, allez, on va mettre les trois tout de suite, ça sera fait. Toc. Non, pas du tout centré. Hop. On met un peu de charbon chez tout le monde. Toujours contrôle clic droit pour mettre que la moitié d'une stack. Donc une stack de charbon, c'est 50, la moitié c'est 25, forcément. Hop, on peut voir, moi ils en ont déjà brûlé une, mais il y a de quoi faire. Et maintenant, on va essayer de produire beaucoup, 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 beaucoup de métal, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. C'est ça qui va nous permettre, hop, on va remettre un peu de charbon partout, toc, contrôle clic droit, hop, on va les aligner tant qu'à faire pour que ce soit un peu propre. Et on va, on n'a pas assez de pierre pour créer d'autres fours. Voilà, et on va toujours garder un petit coup d'œil sur notre réserve de munitions, parce que c'est vrai que les ennemis étant vraiment tout proches, ça pourrait arriver assez vite. Hop, en même temps, on va annuler celui-là. Toc, comme ça on a tout pile, et on a vraiment très peu de charbon par contre. Hop, c'est pas grave. On va récupérer ça. On va lancer, hop, la production. Donc, comme je vous disais, majuscule et clic droit, ça va nous permettre de faire 5 par 5. Donc, toc, toc. Et hop, toujours pareil, contrôle clic gauche, on récupère tout ce qu'on peut comme charbon et on va avoir besoin de nettement plus de foreuses qui font du charbon parce que on est vraiment à court. Donc, hop, allons-y gaiement. J'aurais dû les mettre pas du tout dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Un peu de trop, toc toc. Celle-là, on les tourne comme ça, celle-là, on la met comme ça et ça devrait partir. Hop, on peut même s'amuser à injecter un peu de charbon pour le récupérer et le remettre ici. Voilà, ça démarre. Donc là, on commence à avoir une petite production assez sympathique. On va récupérer un peu de cuivre encore. Hop, et c'est surtout les fours à fer qui vont être très très demandeurs de charbon. Donc hop, on peut en récupérer. On va se faire une petite armure au cas où on s'attaquait et un radar qui va nous permettre de voir assez loin. Le radar va avoir, en gros, si vous voyez, hop, ici, on peut voir proche uniquement ce carré-là, qui est autour du personnage en fait. Mais dès qu'on s'éloigne, on ne voit plus qu'une autre zone, mais beaucoup moins détaillée, où on ne peut pas voir ce qui se passe exactement. Par exemple, si on va sur la base ennemie, on ne peut pas voir ce qui se passe là, et on voit que la pollution arrive, donc il va falloir se préparer à se faire attaquer très vite. Je vais quand même arrêter de parler, et on va pouvoir... Ah, là, je crois qu'il y a... Oui, voilà, il y a un problème de sens. On est bon, tout le monde s'auto-entretient. Un centre entretien, j'imagine. Et on va pouvoir y aller tranquillement. On va récupérer tout ce fer. Et on va pouvoir commencer doucement à penser à la production de science pour faire des recherches. Mais donc, comme je disais, en fait, j'ai fait un radar. Le radar va nous permettre de voir beaucoup plus large. Mais le radar a besoin d'électricité. Donc, on va avoir besoin de produire de l'électricité. Pour ce faire, on va avoir besoin de chaudières et de machines à vapeur. La chaudière va prendre du charbon et de l'eau et produire de la vapeur. Et les machines à vapeur vont, à partir de cette vapeur, faire de l'électricité. Et cette électricité va nous permettre d'alimenter plein plein de bâtiments différents, dont les radars, dont les centres de recherche, dont après des fours électriques, et en fait au final à peu près tout dans le jeu. Et pour transporter cette électricité, on va avoir besoin de poteaux électriques que je vais commencer, enfin non, je vais pas commencer, je vais commencer par la production d'électricité. Hop, donc on va avoir besoin de chaudières et de machines à vapeur.
La règle est une chaudière peut produire deux machines à vapeur. On voit que la chaudière consomme 60 en eau par seconde, c'est marqué dans le petit menu, et produit 60 de vapeur par seconde. Or, une machine à vapeur consomme 30 de vapeur par seconde, donc deux machines à vapeur par chaudière. Hop, hop, hop. On va avoir besoin d'une pompe côtière qui va nous permettre d'alimenter en eau nos chaudières. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à se faire un petit montage qui va nous produire un peu d'électricité. Et on va tout de suite préparer les choses. Ah bah non, je ne peux pas, j'ai pas assez de fer pour lancer la recherche. C'est pas grave, on va commencer déjà la production d'électricité, on verra après. Hop, donc on va se mettre des chaudières par ici, par exemple. Hop, on va même se les préparer un peu le futur. Je sais qu'il faut mettre un espace pour les faire deux par deux. Hop, avec un petit tuyau au milieu pour conduire l'eau. Et là, surtout, il va falloir les alimenter en eau. Vous voyez qu'il y a des entrées en eau ici et la sortie en vapeur ici. Pour ce faire, on va aligner notre pompe ici et on va utiliser un tuyau souterrain qui nous permettra comme ça de passer à travers sans trop de problème. Donc maintenant, on voit, heureusement, les pompes côtières marchent sans électricité, sinon ce serait compliqué. Et on voit que, hop, nos chaudières ont de l'eau, ce qu'on voit à droite. Maintenant, il va leur falloir du charbon et des machines à vapeur connectées pour, hop, produire l'électricité. On met nos machines à vapeur, tout va bien. On peut commencer déjà à mettre un peu de charbon. On voit que rien ne se passe. Les chaudières peuvent commencer à produire de la vapeur. Les machines vont se remplir, mais ne produisent pas d'électricité parce qu'elles ne sont pas branchées au réseau électrique. Donc, on va envoyer quelques poteaux de plus et surtout, on va pouvoir commencer à acheminer cette précieuse électricité plus proche de notre base. On voit que si on reste appuyé, les poteaux se posent automatiquement dès qu'ils sont à distance, ce qui est très pratique. Hop, voilà, maintenant on a de l'électricité ici. On peut voir ici que on a une production potentielle de 3,8 MW, presque 4 MW, et pour l'instant, on ne consomme rien. Et là, on voit qu'on se fait attaquer. Ça y est, ça commence. Heureusement, j'ai un pistolet. Hop. Bon, au début, heureusement que j'ai construit une armure, ça me permet de résister un petit peu. Et encore, ils sont beaucoup. Hop, on va commencer à prendre très cher et on va même mourir. Voilà, comme ça c'est fait. C'est pas grave, on va réapparaître. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec un début aussi agressif. C'est vrai que j'ai plus l'habitude. D'habitude, je mets une zone de départ un peu plus grande pour être plus tranquille. N'hésitez pas, vous pouvez régler tout ça dans les paramètres de jeu. Hop, si jamais le début est un peu trop agressif pour vous, vous pouvez très facilement hop, agrandir la zone de départ pour que vous ayez pour que les bestioles soient beaucoup plus loin. Idéalement, on voudrait pouvoir aller assez vite. Bon, là, j'espère qu'elles ne sont pas en train de tout manger. Si. Bon, elles ont arrêté pour une raison obscure. Hop, c'est pas grave, on va les finir. Hop. L'idée, ça va être de très vite rechercher des armes beaucoup plus performantes, dont la mitrailleuse, qui va nous permettre de nous défendre beaucoup plus efficacement. Et surtout d'améliorer aussi la puissance des balles. C'est ça qui va vraiment tout changer. Donc, on va tout de suite lancer un laboratoire qui coûte, vous le voyez, très cher à fabriquer. Et après, on va pouvoir tout de suite lancer de la science pour permettre vraiment, hop, de commencer à faire des recherches intéressantes. On voit qu'ils nous ont cassé plein plein de machines. C'est pas grave, on va les reconstruire. Hop. Au début, on peut prendre un peu cher, même pour faire un peu quelques packs de réparation. Voilà, hop, notre laboratoire est terminé. On va pouvoir le poser dans une zone alimentée en électricité. Avec ce qu'on a mis en charbon dans la. Hop, on va alimenter un peu tout ça pour être très large. Hop, voilà. On va pouvoir commencer tranquillement à faire des recherches. On va même pouvoir mettre un radar. Hop, ça fait, vu qu'on a respawn, on a un autre pistolet. Hop. Et on va pouvoir lancer notre recherche. On va commencer directement, vu qu'on est très proche de l'ennemi, par hop, les armes militaires, enfin la recherche militaire numéro 1 qui va nous fournir une mitrailleuse, qui va être très très pratique dans ce genre de situation. Et hop, on va lancer quelques munitions de plus pour être tranquille. Hop, on va remettre un peu ça là. Et on va pouvoir relancer quelques foreuses pour remplacer ce qui nous manque. Hop, en attendant, on va faire tourner celle-là parce qu'elle n'alimente plus celle qui est ici. Pas creuser du charbon à la main, c'est agaçant. Et donc on peut voir que toute la recherche demande 10 fioles rouges. Donc c'est exactement ce que j'ai produit, ça tombe bien. J'ai cliqué deux fois par groupe de 5, ça fait 2 fois 5, 10. Et hop, on va voilà. Et ça va se terminer assez rapidement, je le pense. Et donc là, en fait, donc, comme je vous disais, ce qui s'est passé, si on regarde la carte, les extraterrestres sont
commencent à être agacés par notre pollution et vont régulièrement nous envoyer des vagues comme ça, d'attaque. Et donc, on va essayer de se défendre à la fois en construisant des petits systèmes. Donc là, on est en train de produire ça. On va pouvoir poser des tourelles parce que là, on voit tout ce qui reviennent. Hop, cette fois-ci, on va essayer de ne pas mourir. C'est pas gagné, mais on va essayer. Hop, on voit qu'on arrive à les séparer en deux, c'est pas mal, ça va nous permettre de gagner un peu de temps. Hop, si on ne tire pas, on court un peu plus vite, mais pas assez pour les esquiver. C'est pas grave, on va probablement remourir. Hop. Vivement qu'on ait nos mitrailleuses. On va essayer de les éloigner un peu de la barre de recherche. Parce que par contre, s'ils nous cassent notre recherche, là, oui, ils ont l'air de s'attaquer au radar. Mais après, heureusement, ils repartent. Donc, c'est pas plus mal. Hop. On n'est pas apparu juste à côté d'eux. C'est pas plus mal. Où est notre corps? On va essayer de récupérer surtout l'armure qu'il contenait. On est mort par ici, je crois. Hop. Où est-on? Je ne sais pas. Hop, hop, on est là. Là surtout, on attend avec impatience que hop, notre mitrailleuse revienne, parce que c'est vraiment le plus critique. Pour l'instant, on a besoin de cette mitrailleuse. Donc là, la recherche n'étant pas impactée, ça va continuer. Visiblement, ils n'aiment pas du tout notre production de charbon. Donc hop, c'est pas grave, on va se débarrasser d'eux. Ça tire sur la cible la plus proche. Et surtout, bah donc, on va devoir reproduire pas mal de foreuses, parce que là on est un peu en galère, on va plus avoir de charbon à terme, et ah bah c'est de la pierre qui nous manque en fait. Hop, on va aller chercher un peu de pierre, visiblement il n'y a plus de bestioles qui se baladent, mais elles ont cassé tout, je sais pas si ça... Oui, ça a l'air de détruire la pierre. Hop, très vite, on a fini la recherche, donc on va tout de suite s'équiper d'une mitrailleuse qui va beaucoup nous aider. Et hop, on va juste remettre... Hop, voilà, hop, non, annuler, touc. Hop. D'abord ça, puis les munitions au cas où, enfin même si on a 62 c'est très bien. Hop, donc on va tout de suite relancer une foreuse, non, hop, de pierre. On va, hop, mais non, ah oui parce qu'on est sur la pierre donc il, par défaut il refait une foreuse. Hop, on va lui redonner son charbon et on va aller miner un ou deux gros morceaux de pierre pour se refaire un peu une santé. Voilà, donc maintenant vous voyez qu'on a la mitrailleuse, donc on va mettre les munitions ici et tab pour changer les munitions, et là normalement on sera beaucoup plus tranquille. On va refaire notre radar tranquillement et on va voir si voilà, il y a des cailloux là qu'on va pouvoir miner pour récupérer un peu de pierre. Souvent plus rentable de miner les gros cailloux que de récupérer, enfin de miner la pierre à la main. Hop. Et on va se lancer plein de foreuses pour pouvoir relancer notre production de charbon. On voit qu'on n'a plus que 200 de charbon. Pas énorme, énorme. Et maintenant, on va pouvoir commencer à lancer des recherches. Donc vous voyez qu'ici, on peut construire des tourelles qui vont nous permettre de nous défendre, enfin de poser des tourelles automatiques de défense. On va lancer ça. Par contre, ça a besoin de, encore une fois, 10 fioles rouges. Les fioles rouges, ils sont la science de base. Donc hop, on va relancer 10 fioles rouges après toutes nos foreuses. Hop, on va commencer à reproduire notre petit setup de charbon. Et on va juste, on va en mettre un peu partout pour lancer un peu le truc, hop, efficacement. Toc, toc, non, j'en ai mis trop, tant pis. Hop, on va faire une couche en moins. Toc, et voilà, comme ça, tout le monde tourne, on est reparti. Et maintenant, l'idée, ça va être, on va déjà voir si on arrive à encaisser les vagues. Donc, on va aller, hop, tout de suite, leur chercher des noises. Je crois si j'ai encore une armure, tout va bien. Hop, vous voyez que déjà, ça va beaucoup mieux. Même s'il y en a encore beaucoup quand même, hein. Il va très vite nous falloir des mitrailleuses. Décidément. Début de partie difficile. Hop, on va pouvoir très vite construire une ou deux tourelles et on va aussi très vite après rechercher les murs qui vont nous permettre, hop, d'aller nous débarrasser, enfin nous protéger beaucoup plus efficacement. Où est notre corps? Il est là. Chaque fois qu'on ressuscite, on récupère 10 munitions, donc l'un dans l'autre, on retrouve des choses. Et donc l'idée, ça va être de ne pas laisser les vagues s'accumuler trop. Vous voyez qu'ils se stackent un peu dans le coin. Donc là, on va pouvoir, hop, y aller beaucoup plus tôt. On va y aller assez régulièrement pour les empêcher de trop s'agglutiner.
Et après, l'idée, ça va être de surtout détruire ces deux bâtiments. Vous voyez qu'ici, il y a deux types de bâtiments. Ces gros là, les nids qui vont produire des bébêtes, et les vers qui eux servent uniquement à défendre. À la limite, on va voir si on peut pas tout de suite s'en occuper, comme ça sera fait. Si on arrive au moins, les vers on peut les laisser sur place, c'est pas un problème. Par contre, les nids, si on arrive à s'en débarrasser, ils ne produiront plus de bestioles. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut tuer les nids sans mourir des vers? Hop, donc, on va essayer, voilà, hop, on voit que les vers nous attaquent. Mais normalement, si on peut, hop, on arrête de tirer, on peut esquiver, hop, on peut se débrouiller pour pas trop mourir. Normalement, si tout va bien, hop, et normalement, on revit plus vite que. Alors, faut faire attention, les endroits où les vers ont craché, ça reste acide et donc ça nous endommage. Mais si on attend juste de se recharger assez, on va pouvoir tranquillement. Hop, là, attention, on esquive les vers, hop, on tue les bébêtes, hop. Je vous rassure, au début c'est un peu laborieux, mais ça ira beaucoup mieux par la suite. J'ai marché dans de l'acide, c'est devenu rouge parce que j'ai pris cher. Hop, hop. Mais après, on aura des armes beaucoup plus efficaces et on aura des technologies beaucoup plus efficaces. D'ailleurs, maintenant, il y a une nouvelle, en plus, une toute nouvelle technologie de fin de partie qui nous permet de faire une grosse bébête qui tire des roquettes partout. C'est très drôle, le Spider-Tron. On va essayer d'aller chercher ça le plus vite possible. Et donc là, si on arrive, hop, juste à se débarrasser de ce nid, voilà, déjà, ça va produire deux fois moins de bébêtes. Et maintenant, si on continue un petit peu, hop, on va essayer de se faire le deuxième nid, et comme ça, on sera au moins tranquille, il n'y aura plus de bêtes qui vont apparaître pour venir nous attaquer. Donc déjà, rien que ça sera un gros 1. Par contre, on va essayer de pas mourir, hop. Vous voyez que là, on est tout pile hors de portée des vers, donc on est bien. Hop, on abat juste les choses qui arrivent, et voilà. Donc là, en fait, voilà, on a réglé ce problème des bestioles qui vont nous attaquer régulièrement. Pour l'instant, on peut voir que, grâce à notre radar, on voit une zone beaucoup plus large. C'est les seuls ennemis dans la zone. Donc là, maintenant, il n'y a plus que des vers. Ils vont rester là et ça sera juste un problème quand on voudra s'étendre. Mais pour l'instant, ça nous va très bien. J'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Donc voilà, maintenant, on est tranquille. On ne se fera plus attaquer tout de suite. Hop, cette chose-là n'était pas dans le bon sens, visiblement. Hop, et on va pouvoir. Pendant ce temps-là, j'aurais dû produire beaucoup plus de science. Bête de ma part. Non, j'ai pris du charbon, c'est pas du tout ce que je voulais. Hop. On va recharger un peu ce monde-là. Hop, on va remonter là. On va pouvoir aller chercher tout ça. Hop, là on va charger notre science. Et on va pouvoir mettre un peu de charbon. Voilà. Donc là on commence à avoir un petit setup tranquille. On commence à faire un peu de recherche. Et on va pouvoir très vite commencer à profiter de notre électricité pour en arriver vraiment là où on veut, c'est-à-dire avoir un système vraiment actif et qui va s'auto-entretenir, ou juste avec l'électricité, on va pouvoir miner du charbon, l'amener à tous les autres endroits, enfin surtout les fours qui vont avoir besoin de ce charbon pour fondre du métal, et que toutes les foreuses soient électriques, comme ça on n'aura vraiment plus de problème. Et surtout, on va aussi produire du charbon pour alimenter directement les chaudières, comme ça normalement on aura un système autonome totalement qui nous permettra de nous débrouiller vraiment comme on veut. Voilà, mais bon, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on est là, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Et je vous dis au prochain épisode. Au revoir!